Hey hey hey, cucu mes petits cuis, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Hunger Game of Sims. Il nous reste que 6 Sims en compétition. D'ailleurs, on va les rejoindre tout de suite. Nous avons Sensei, le roi de la nuit, Sansa, Petyr, Daenerys et Chauffray. Euh... Et puis, c'est déjà pas mal. Pour info, ça y est, le, le roi de la nuit, la Night King, est devenu. Un gentil petit humain, comme vous pouvez le voir, et euh, euh, j'avais peur qu'il ne garde pas les yeux fluorescents, mais en fait, si. Donc, c'est canon euh, Aujourd'hui, euh, ça va vraiment être euh, le jeu de mots de Hunger Games. Hein. Euh, voilà. C'est-à-dire que, eh bien, ce sera au premier qui meurt de faim, donc j'espère qu'il n'y en a pas qui mourront de faim en même temps. Et, mais ce sera vraiment la mort de faim. Donc, la mort de faim peut être très très longue dans les Sims. Donc je vais juste m'armer de patience en espérant qu'ils fassent des petites bêtises et tout ça par se plaindre quoi. Pour la mort de faim évidemment j'ai pris des précautions, j'ai construit des murs devant les gazinières et les frigos pour qu'ils ne peuvent pas aller se servir comme vous pouvez le voir. Ils ne pourront pas, c'est condamné. Donc, euh, ils pourront toujours venir dans la cuisine. Hein, euh, après, j'aurais pu bloquer l'accès, mais finalement, je me dis qu'ils peuvent toujours venir pour pouvoir se plaindre et pour pouvoir, eh bien, euh, tout simplement mourir de faim. <laughs> du coup, on est parti, mon kiki. Je mets play et maintenant, c'est à eux de jouer. Moi, je ne fais qu'observer. Ah, bah voilà. Baelish. Il va sûrement. Euh, je sais pas. En tout cas, pour l'instant. On va aller voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va vider la poubelle. C'est pas forcément une bonne chose, mon petit petit, parce que si vous mourrez de faim, la poubelle, ça peut être un bon... Euh, quelque chose. Hein. Alors, Geoffrey qui, se, qui discute gentiment avec Daenerys. Pourquoi pas, après tout. Hein. Voilà, ça c'est bien. Et le roi de la nuit se dit mince, euh, j'ai des émotions qui me traversent. Je vais aller me laver les mains, pourquoi pas. Euh, on nous avons Cersei qui va aussi vider les poubelles. J'ai envie de dire, c'est une occupation comme une autre. C'est vrai que je cherchais Stanis, mais c'est pas Stanis. Stanis est mort, il est mort la semaine dernière. Donc ils ont accès à la poubelle, mais vous voyez qu'ils ont... Normalement c'est les frigos ici, et ils n'ont plus accès du tout. Donc euh, ça reste être sympa. Alors vous les voyez, hein, les, les trucs là, mais quand je remets le mur, vous voyez bien que c'est inaccessible, hein, donc faut pas vous inquiéter. Euh, eh bien, ils vont juste bah, mourir de faim petit à petit. Ça, c'est cool. oulala, là là, tu offrais une envie de hurler sur sa mère. Et comment ça se passe euh, avec Sansa Ah pardon. bah oui. Ce serait plutôt le contraire, voir qui hurle sur Sansa plutôt que sur sa mère. Mais bon, après tout, hein, moi, je les laisse faire, hein, les pauvres. Comme la dernière fois, c'était ça, Là, nous avons Daenerys qui se met au yoga. Ah bah non, pas trop trop longtemps au final. <laughs> Pendant que Sansa et le Night King s'affrontent aux échecs. Quoique non, il n'y a que lui qui joue. Ah oui, il n'y a que lui qui joue. Elle est juste venue là parce que la vue était belle. Voilà. Ah ah. Hein. Ouais, en plus elle acquiesce. Mais oui. Cersei, tu vas repartir fumer un truc là euh, T'as développé une passion avec... Euh... Ah. Il va... <laughs> ah non mais moi je veux voir ça. J'ai l'impression qu'il s'énerve sur sa mère. Euh... Ça me fait rire. Après, dans, le, dans, les, dans la partie, ils ne sont pas du tout parents. Hein. Ils ne sont, sont, voilà, sont pas reliés. C'est juste deux sims qui vivent ensemble. Oh Boum Allez, dans ta tronche Et il est content en plus. Ah. Ah. ah là là. C'est bête, mais ça me fait rire. Ah bah, c'est ma petite Dany qui est partie euh, se baigner également dans la micro-piscine. Bah écoutez, hein, tant qu'elle prend son pied. Bon, ouais, ils font des mouvements chelous, mais euh, voilà quoi. Cette façon de marcher de Geoffrey, c'est magnifique, ça te va tellement bien. <laughs> Qu'est-ce qu'il fait Ah, il va faire joujou -jou dans la fontaine. Un vrai gamin celui-là. Daenerys, se boit un petit coup. Pourquoi pas Cette fois-ci, c'est pas le challenge du pipi, donc tu peux quand même boire un coup et se balader tranquille en maillot de bain. Tout va bien tout va bien. J'aurais pas interdit de boire, donc euh, voilà. Ah, puis ça remonte la fin. Ah, mais c'est ingénieux, ma chérie. Ma belle Daenerys, c'est très ingénieux. Bon, j'aurais peut-être dû condamner alors, finalement, le, les bars. Euh, ouais, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Euh, J'ai commencé comme ça, on va aller continuer comme ça. Ceux qui auront la présence d'esprit de boire un coup pour se re re renourrir un petit peu seront les plus intelligents. Ah, 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 nous avons nos premiers Sims qui rentrent dans la période jaune. Pour. Oui, mais je pense que c'est tout le monde. Dany, non, parce qu'elle a boit un verre, mais. Euh... <laughs> tout le monde est dans le jaune pour la fin. Ça commence tout doucement, très doucement, mais tant que ça commence, ça commence. Ils sont vraiment en train de s'affronter, je crois, oui Ah oui, oui. C'est ça. Ils sont en train de s'affronter, Bailey chez le Night King. Tout va bien. Et eh bien, heureusement que le No Pipi Challenge, il est déjà fait, Daenerys, parce que là, <laughs> t'aurais perdu en beauté, ma belle. Ah, bah après, Cersei, c'est Dani qui qui s'essaye au, au truc à bulles, là. S'asseoir et essayer, ouais, voilà. Donc elle est contente. Et elle a quoi Ah, elle est hébétée, parce qu'elle a, a ça, justement. Ah, bah elle, elle est carrément hébétée, euh, Cersei. Bah voilà, t'as trop fumé de la des bulles. Oh, la tronche Oh, la tronche Les yeux <laughs> ah, 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 nous avons. Un uh, Night King qui non seulement dort, mais il est dans le rouge. Bah là, oui, ça y est, tout le monde commence à être dans le rouge. Tout, 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 tout sauf Dany. Ah pour moi, petite Dani, je crois en toi, ma belle. Bon, bah là, c'est la nuit, donc tout le monde dort. Euh, je vais faire un rapide état des lieux. Euh, pardon, c'est ici. Elle sera, elle, affamée dans 19h, donc on a encore vachement le temps. Lui aussi, je pense qu'ils sont un peu tous au même stade. 19h, 19h. 19h. Danny, tu vas être quoi toi Dans 20h. Petite winneuse, hein, celle-ci. Et Geoffrey dans 19h. Bon, bah, on va attendre hein, maintenant. Bon, la première qui se sent pas bien parce qu'à la fin, c'est Sansa. Voilà. Elle commence à se dire que ça commence à creuser cette histoire. Je suis en train de me faire une réflexion. On est à trois filles dans la même pièce, mais en fait, c'est vrai qu'il reste trois et trois. Donc, ça, c'est cool. Hein, c'est équilibré en fait. Il y a eu euh, une femme et un homme de mort. Maintenant, bon, bah, reste à voir qui sera le prochain. Ça peut vous rassurer, le Night King aussi a euh, très faim. Voilà. C'est bien de le voir en humain. Ça, 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 bah, ça humanise le monstre hein, en même temps. Hein. Ah ah ah. Geoffrey a envie de se servir à Yorkfield Classic Vieux 16. Attention, on va y aller jusqu'au bout. Ça va peut-être lui remonter. Hein Vas-y. Bois, 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 bois. Là, on est à. Dans, quel... Dans combien de temps 12 heures. Vas-y, maintenant, tu peux boire ton verre. Si... Ah non, il... Eh, regardez Il sort sur les remparts pour boire tranquillement son verre. Même pas Mais qu'il est bête Mais qu'il est bête Tant pis, hein, Geoffrey. Hein. Bah oui, hein. c'est le jeu, mon pauvre. Hein. Nous avons un nouveau candidat pour boire un coup. C'est Baelish. On va voir ça. Ah bah si, Geoffrey boit aussi. Ah oh là là. Ouh là là. Mais dis donc, il euh, y en a qui sont peut-être un peu intelligents. Salut, ça lui a remonté à 17 h Geoffrey. Baelish, 10 h oh, Ah ouais, ça ça retarde beaucoup, hein? De boire un coup. Dingue. Sansa ne boit pas d'alcool, du coup elle boit un verre d'eau. Je sais pas si ça, ça fait vraiment quelque chose le verre d'eau. Oh la tête, la pauvre tête. Alors petit tour euh, des affamations. Nous avons en tête, pour l'instant, c'est Cersei qui est à 8 heures d'être affamée et le Night King aussi. Ensuite, euh, genre euh, lui c'est 24 quatre heures, Geoffrey. Donc tout va bien quoi. Euh, pour l'instant, faut, faut attendre tout simplement. Oh non, Cersei se fait un verre! Ah, ça va lui remonter! Du coup, il n'y a que le Night King qui, pour l'instant, est le moins bien barré euh, avec euh, une, une affamation dans 6 heures. Oui, je sais, ça s'appelle pas affamation. Et alors que Cersei, ça a remonté déjà à 9 heures. Ah, T'aurais dû prendre un verre de vin, Cersei. C'est plutôt à ça que tu carbures, toi. Le Night King est toujours en tête avec affamé dans 2 heures suivi de près 4 heures pour de ça. Je crois que Belly, lui s'en sort plutôt bien dans 19h. Madani, elle est dans 3 heures euh, alors que elle a reculé à 20h hein, comme quoi boire un coup euh, c'est plutôt bien. Voilà, pour le plus inquiétant, reste le Night King. Après ça ne veut pas dire que affamé, Va dire qu'il va mourir. Ceci, il boit un coup, ça va lui remonter ses besoins. Et moi, je, je serai encore là à observer pendant quelques heures. Ah. Il est très mal à l'aise, mourir de faim dans 24 heures. Allez, on creuse les Didi maintenant. Allez Ah oh, oui, je sais, mon petit. Bah, c'est à toi aussi, quoi. Bah, tu peux trouver un lit si tu veux dormir. Hein. Ouais, allez tous dormir, ça, ça me fera passer le temps plus vite. Bon, certains sont partis se coucher, comme ça. Ah, elle dort pas loin de Bailish, hein, coquine Danny, oh, Danny, elle fait dos dans le canap', euh, bichette Alors que notre cher Geoffrey National, lui, eh ben, il va aller s'amuser dans la fontaine. Hop là Très bien ça aussi est devenue affamée, mourir de faim dans 24 heures. Ah, elle a toujours juste faim, ma Danny Ouh là là, toi, tu dois pisser aussi, hein. Et mourir de faim dans 23 h à mince. Ça. ça y est, t'as entamé euh, une autre, euh, un autre timeline. Et 22 heures pour le Night King. Pour l'instant, c'est lui le moins bien logé quand même. Hein. Le Night King est enfin réveillé. C'est vraiment lui qui est en mauvaise posture. Là, heureusement, il commence à s'occuper de lui, à aller aux toilettes et à peut-être se laver. Parce que je crois que être nouveau humain, là, il ne sait pas comment gérer. Hein. Il meurt de faim dans 15 heures. Pour l'instant, c'est lui qui est toujours mal barré. Donc je le suis de près. Le Night King a clairement envie d'emmerder Daenerys et de lui hurler dessus. Alors. Oh. Bichette Sors ton dragon, ma belle Crame-le un coup Bon. et enfin, eh, il, pendant ce temps-là, il, il réussit sa, son aspiration N'importe quoi Pfft. Quelle petite malicieuse cette Cersei de faire peur à son petit garçon de Geoffrey pour l'instant, euh, ils sont bien, ils sont même pas affamés. Bah lui il est content. Qu'est-ce qu'il est content? Misère, misère, trait de caractère malveillant. Il a faim. Affamé dans 50 minutes. Ah Sansa, elle, elle est déjà plus avancée. Hein. Elle meurt dans faim dans 13 heures. Mais pour l'instant, le Night King, euh, il meurt de faim dans 8. Suivi de Daenerys qui meurt de faim dans 12 heures. Oh punaise, le fossé se creuse de plus en plus entre Daenerys et lui. Hein. Franchement, euh il y a un énorme fossé au moins quand il, ici il meurt le premier euh, celui d'après par exemple qui peut être Daenerys ne mourra pas dans la seconde vous voyez comme ça j'aurai le temps d'en sauver au, au moins celui d'après bon bah le suspense reste toujours quand même entier ah Sansa a prévu de se servir une petite boisson mourir d'un fin dans 11h peut-être qu'elle va s'en sortir au final peut-être 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 pour l'instant les deux plus mal barrés sont le Nora de la nuit le Night King et Daenerys Targaryen Oh là là, qu'est-ce qui se passe Il y a une, une, une réunion spéciale euh, fumeur anonyme, là Fumeur de bulles anonyme ou quoi <laughs> Bon, en plus, il est malade, cet idiot. Mais qui c'est qui t'appelle Ah Bah, c'est Marjorie. Lol Et donc, il meurt dans 3 heures s'il ne se sauve pas. Et euh, Danny dans 5 heures. Voilà. Oh là là, oh là là, le Night King s'en va, oh là là, oh là là, il va bientôt crever, hey Oh là là, oh là là, le Night King s'en va, un trou dans le bidou, il va bientôt crever Ah oh, si dans les 30 minutes, il ne se sauve pas, les miches, en buvant quelque chose, il est dead, il est dead, il est mortadelle 30 minutes, le Night King, allez il faut te bouger. Va boire quelque chose. Trouve quelque chose. Mais mange quelqu'un. Je sais pas. Fais ce que tu peux. On peut dire qu'il n'aura pas suggéré ses euh, soucis, euh, ses besoins d'humain. Hein. Il est nouvellement humain. Il ne sait plus comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il fait Bah il fait rien. Et puis il meurt quoi. Regardez, regardez, mourir de faim dans trois minutes, deux minutes. que ce soit lui. Oui, 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 oui. Je suis ravie que ce soit lui qui meurt. Bon sang, de bonsoir. Vas-y, vas-y. Va ranger ton livre. <laughs> Où est-ce qu'il va, <laughs> bon sang <laughs> Tu vas pas me faire le coup comme Stanis, hein Je crois que ça y est. Ça y est. Regardez. Il a faim. Il a faim. Il meurt. Eh oui Le Night King est le grand vainqueur du Hunger Games. Ou pas, hein, le grand perdant du Hunger Games. Disons que l'épreuve étant la fin aujourd'hui, c'est lui qui est mort. Tragiquement. Regardez, il était si près du trône. Mais qu'est-ce que c'est dommage. Il n'a pas pu s'asseoir sur le trône. Lui qui est un roi. Le roi de la nuit. Voilà, la faucheuse est là. Et elle va emmener l'âme de ce monstre dans un autre euh, état. Hein. On s'en fout, en fait. Vite, emmène-le. Et puis, euh, ça, on est, on est vite fixé, tu vois. Allez, fais ton travail. Douce bourreau. Douce bourral. <laughs> N'importe quoi. Allez, emmène son âme. Là, j'ai pas que ça à faire que d'attendre. Voilà, merci. Le Night King n'est plus. Il nous reste 5 Sims en compétition ça y est, oula, qu'est-ce que t'arrives Cersei, là ça va plus, mais bah, elle boit de l'eau, c'est bien, et elle fait la vaisselle juste après, très sexy ton maillot de bain allez, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter, ça y est un mort de plus, cette fois-ci c'était le Night King, il ne reste plus plus que 5 Sims en compétition pour le trône. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un like, à partager et à regarder une petite plus sur YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la suite du Hunger Game of Sims pour d'autres choses sur ma chaîne. Salut!